Bonjour, aujourd'hui je travaille avec vous sur Marina, qui est un logiciel de dimensionnement des semelles. Vous voyez, donc il peut dimensionner votre semelle. Normalement, si vous connaissez en fait quelle est la charge qui arrive, donc en fait c'est un logiciel qui te permet de dimensionner rapidement. Une semelle, mettons les charges sur le ferrage, et le ferrage est très très propre. Bon, je ne sais pas là où vous orientez pour aller trouver le logiciel, car moi c'est très compliqué de l'avoir. Je sais pas si vous l'aurez sur le net, je ne crois pas. Ce sont quand même des logiciels très anciens, très très anciens. Ce sont des logiciels, je crois, des années 2009, 2010, un truc comme ça. Bon, ici, quand vous êtes ici, vous savez quand vous voulez travailler sur un logiciel, ce sont des unités qu'il faut voir. Donc elles sont réglées. Vous voyez, ici je vous montre pas comment l'utiliser, mais sinon j'ai déjà une formation complète sur comment utiliser ce logiciel. Le numéro se trouve sur la vidéo juste à gauche en bas. La vidéo est à mon numéro. Donc si vous voulez la formation, elle est payante. Voilà, donc il suffit de m'écrire là-bas, vous aurez cette formation. Vous voyez? Vous avez un logiciel qui est comme ça, qui est un très 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 bon logiciel pour travailler avec. Donc vous pouvez mettre en fait votre contrainte du sol pour pouvoir l'utiliser, parce que je dis souvent que l'élément le plus important dans le calcul des fondations, c'est en fait la contrainte du sol. Donc quand vous avez une contrainte importante, rassurez-vous que vous aurez aussi les semelles aussi vraiment importantes. Voilà, donc quand vous avez une contrainte du sol faible, vous avez une très grosse section des semelles. Vous voyez, mais quand votre section des quand votre contrainte élevé, vous avez des petites sections de semelles. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vous calcule les semelles. Voyez, donc vous avez ce ferrage comme ça. Vous voyez, c'est très propre. Donc ici, on peut tout faire. Donc vous avez la possibilité de travailler avec cette semelle comme étant une semelle avec vraiment avec des patins glacis que nous avons appelés. Vous voyez, donc quand tu fais ça, ça devient une semelle avec patins glacis et tu peux faire tes calculs pour avoir en fait le ferraillage, le coffrage, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si tu n'as pas besoin de ça, voilà, tu n'as qu'à enlever. Donc, voilà. Il y a même la densité du sol. En fait, il y a toutes les informations concernant l'étude d'une semelle. Il y a les charges des éléments. Il y a copier, effacer, tout ça, ça se trouve dans la formation complète. Voilà, ici, ce sont les paramètres de conception. Ok, ici, si vous voulez voir le coffrage, tout est ici, expertise, gérer les enrobages, arranger structure de ferraillage. Si vous voulez avoir une ferraillage régulière ou bien une ferraillage qui n'est pas régulière. Si vous voulez avoir un ferraillage qui n'est pas régulier, autant pour voir. Voilà, c'est ici. Vous pouvez juste afficher le coffrage. Ok, donc vous avez ça et puis ainsi de suite.